Le Lambi, star des Antilles, est en train de disparaître. Le 20 février, le comité régional des pêches de Guadeloupe a décidé de ne pas ouvrir la saison du Lambi. D'habitude, les professionnels peuvent pêcher ce coquillage pendant 4 mois. Mais cette année, les ressources sont trop faibles. La direction de la mer, évidemment, soutient tout ce qui va dans le sens de la préservation de la ressource. Et en ce domaine, il n'y a pas de secret, ni malheureusement de miracle. C'est la suspension de la pêche qui fait que la ressource peut se renouveler et arriver à une masse critique suffisante pour qu'une pêche durable puisse s'effectuer. Il y aura un effort de police à faire dans le sens où tous les lambis qui seront proposés à la vente devront être des lambis importés ou importés congelés. Et donc, il faudra que les mareyeurs ou les pêcheurs puissent prouver que ce lambi a été pêché ou acheté avant la date d'interdiction et donc congelé en début 2020 ou plus tard. Cette décision du comité des pêches ne fait pas que des heureux. Pour ce marin-pêcheur qui travaille depuis 16 ans, la suspension de la pêche au lambi signifie pour lui mettre la clé sous la porte. J'ai toujours privilégié des pêches sélectives, donc j'ai toujours fait de la pêche sous-marine. Et mon revenu principal venait du lambi. Ça représentait 75% de mon chiffre d'affaires. Donc je vais devoir me recycler. C'est pas avec le poisson et la langouste que je fais en apnée que je vais gagner ma vie. Ou alors il me faudrait que je me mette au filet et au casier, mais c'est pas dans ma philosophie. Mais la pêche, je crois que c'est derrière moi. Si l'interdiction de pêcher est a priori une bonne nouvelle pour les ressources en coquillage, Laurent craint que cette mesure profite aux braconniers. Je pense qu'il serait bien aussi d'interdire la consommation du lambi au niveau des restaurants. Parce que si on supprime la pêche mais que la demande est toujours là, le braconnage sera là aussi. Et la raison fondamentale de la situation actuelle avec le lambi, c'est le braconnage. Si on avait respecté ces 4 mois de pêche, il y aurait encore du lambi largement pour tout le monde. La suspension de la pêche au lambi pourrait se prolonger sur les 3 prochaines années. En attendant, à vous de surveiller votre assiette au restaurant.